Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être de retour à la Malbaie. Je suis ici pour prendre vos questions. I'm glad to take your questions. This is an opportunity to talk about issues that matter to folks in Charlevoix, but also larger issues if that's what's on your mind. C'est toujours un grand plaisir d'être ici et on va commencer, je pense, avec les médias plus régionales et locales. Dites-moi, M. Trudeau, vous avez un horaire chargé dans les deux jours que vous êtes ici à la Malbaie, dans la région, mais est-ce que vous en avez profité pour visiter les sites du manoir, voir est-ce que vous sentez qu'on est prêt pour, c'est dans deux semaines, ça va commencer? Êtes-vous satisfait du travail qui a été fait au manoir? Bien, d'abord, je peux dire que les conversations que j'ai eues avec mon équipe, qui sont ici depuis longtemps pour travailler et s'assurer qu'on est en train d'être prêt, sont très rassurants. J'ai vu moi-même, évidemment, différents éléments depuis que je suis ici, mais je suis très confiant qu'on est prêt et que ça va bien se dérouler. On sait qu'il va y avoir des discussions pendant ce G7, mais j'imagine que les soirées ne seront pas seulement réservées aux discussions. On peut s'attendre à quoi? Il y a des noms qui ont sorti, par exemple, comme invité Bono. Sinon, est-ce que ça, on peut le confirmer ou est-ce que ça va être des artistes locaux? On n'a pas d'annonce à faire par rapport aux artistes présentement, mais je peux vous dire qu'on a privilégié des artistes locaux, de faire valoir la culture, l'art, les gens d'ici. Ça a été la priorité pour nous. Merci. Sur les coûts maintenant, bonjour. Sur les coûts maintenant, on parle que le 600 millions qui avait été avancé, ça va être plus que ça. C'est quoi la réalité aujourd'hui même, là? On a toujours des prédictions par rapport aux coûts et des prévisions sur ce que ça va coûter. Par la suite, on révise nos calculs dépendamment de comment ça se passe pour de vrai. Mais je veux souligner aussi que les 600 millions, ce n'était pas juste pour ici à Charlevoix. On sait qu'il y a eu des rencontres ministérielles ailleurs. Il y en a une à Whistler la semaine prochaine. Il y a des dépenses tout au long de l'année où on sera président du G7, le Canada sera président du G7. C'est des coûts répartis et on continue de s'assurer que ces coûts soient raisonnables, mais c'est une grande opportunité aussi de faire valoir nos régions, nos solutions et l'importance du Canada dans le monde. L'actualité, évidemment, va rattraper le sommet. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la planète. Vous êtes en mesure de faire cheminer votre programme au long du sommet, malgré tout ce qui se passe? Bien, le cœur du programme qu'on a mis sur pied, le G7, c'est un rassemblement fondamentalement pour l'économie économique. Et le grand défi auquel tous nos sept pays et une grande partie du monde fait face, c'est de créer de la croissance qui fonctionne pour tout le monde. De la croissance pour la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Que ce soit au niveau de la mondialisation, du commerce international, de la croissance inclusive, de protection de l'environnement. C'est des enjeux qui reviennent et c'est ça qui est au cœur de nos débats, de nos discussions. Alors, effectivement, il va y avoir des événements dans le monde au niveau de la sécurité, au niveau des relations internationales, mais cet enjeu au cœur du G7 que de comment créer de la croissance qui fonctionne pour tout le monde dans nos différents pays, c'est au cœur des conversations que nous allons avoir, quel que soit qui se passe autour de nous. Merci, Dave. Bonjour, M. le Premier ministre. On entend beaucoup parler de menaces de casse, etc., durant le G7 et autour de la Malbaie. Donc, est-ce que vous avez confiance que tout va se dérouler dans l'ordre et que les gens vont être en sécurité dans la région? D'abord, la sécurité des participants et des citoyens, c'est une priorité. On a démontré qu'on va investir le nécessaire pour assurer que tout le monde soit en sécurité. Mais il faut se rappeler, la sécurité de ceux qui choisissent de venir manifester est aussi très importante pour nous. Nous allons nous assurer que les gens puissent s'exprimer de façon libre et ouverte pour exprimer leur désaccord, leurs préoccupations. Je pense que c'est extrêmement important pour nous, en tant que Canadiens, de valoriser une diversité de points de vue et d'expression. Mais à l'intérieur de tout ça, nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que des gens qui sont là, qui sont ici pour le G7 pour n'importe quelle raison, le fassent et soient en sécurité. Je pense que c'est une priorité que tout le monde partage. Merci, M. le Premier ministre. Merci, Gilles. Maxime. Bonjour.
Concernant les tours de réseau cellulaire qui ont été ajoutés, bon, on avait dit présentement, on dit que le réseau qui devait avoir lieu ne rentre pas aussi grandement que c'était souhaité. Est-ce que ça, c'est des choses qui vont être améliorées avant ou après l'événement? On va continuer de travailler, comme vous savez, l'accès au réseau cellulaire, à l'Internet, pas juste ici dans Charlevoix, mais à travers le pays, c'est une priorité pour nous. On a fait des investissements massifs en réseau à travers le pays. Évidemment, il y a eu un peu plus d'emphase ici à cause de cet accueil de ce sommet. Mais nous allons continuer de travailler avec les communautés à travers le Québec, à travers le pays, pour améliorer leur accès à Internet et au cellulaire. On sait que c'est des outils, pas juste au niveau de la sécurité ou au niveau des réseaux sociaux et connexions entre gens, mais c'est des outils de développement économique extrêmement importants et on sera toujours partenaire à ce niveau-là. Merci. Merci, Maxime. Monsieur Trudeau, il semble y avoir un paradoxe encore. Ici, les gens sont rassurés, ont l'air enthousiastes, ce qui n'est pas tout à fait le cas à Québec. Qu'est-ce que vous dites aux commerçants à Québec qui ont encore des craintes et qui se demandent s'ils doivent fermer durant le G7? Je comprends ces préoccupations. On a vu dans le passé des moments intenses qui se sont passés à Québec lors de sommets importants. Mais en même temps, je peux dire qu'on a beaucoup, beaucoup appris depuis plusieurs années le travail que nous sommes en train de faire, surtout pour coordonner entre les différents services de police, entre les différents paliers de gouvernement, le partenariat et l'approche que nous avons nous rassure énormément. Mais nous allons toujours travailler avec tous les citoyens qui ont des préoccupations pour les rassurer et on est en train de s'assurer qu'il y a le moins de dérangements possibles au niveau de la sécurité et au niveau de dommages. Est-ce que c'est à eux de prendre la décision personnelle de fermer ou pas leur commerce? Je ne suis pas placé en tant que premier ministre pour faire des recommandations là-dessus, mais je sais que c'est des questions qui sont posées régulièrement aux gens à Québec, à nos autorités locales, et c'est des conversations qui vont continuer. François. Bonjour. Oui, une des critiques qui revient beaucoup sur la tenue de ce sommet-là, ce sont les coûts, évidemment. Vous, est-ce que vous êtes à l'aise avec une facture aussi élevée? Est-ce que c'est un sujet que vous souhaitez aborder avec vos collègues? Est-ce qu'il y a des façons de réduire ces coûts-là, soit en choisissant un lieu unique qui reviendrait, par exemple? Est-ce que ça vous préoccupe? Vous êtes à l'aise avec ça? Je pense que l'importance du G7 en tant que sommet ne doit pas être sous-estimée. C'est une occasion pour des pays de valeurs alignées, d'économies les plus développées du monde, de se rassembler pour parler d'enjeux économique à l'intérieur de nos pays, entre nos sept pays, mais aussi d'un impact global. Quand on parle de la façon qu'on va se pencher sur les océans, sur l'environnement, sur l'amélioration des opportunités économiques et sociales pour les femmes à travers le monde, on voit que il y a une place et un besoin de leadership mondial sur de grands enjeux que le G7 est capable de démontrer. En plus de ça, je pense qu'avoir des opportunités pour des sept alliés comme nous sommes de se rassembler dans un contexte un peu moins formel, un peu plus relax, bien entouré par des beaux paysages et surtout un accueil magnifique, pour jaser des vraies choses, c'est extrêmement important. Alors, oui, je sais que tout sommet engendre des coûts au niveau de la sécurité, au niveau de la logistique, mais je sais aussi que c'est un investissement important dans la coopération et le partenariat qui, finalement, dans le monde, va nous mener à avoir un monde meilleur. C'est quelque chose qui, pour moi, continue d'être très utile. La décision de tenir ce sommet ici, dans Charlevoix, l'impulsion de départ, la première personne qui a eu cette idée, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça tient à vos souvenirs d'enfance parce que vous avez fréquenté le manoir quand vous étiez plus jeune? Moi, d'avoir eu la chance d'aller à différents G7 autour du monde, j'ai vu à quel point le président du G7, le chef d'État qui est notre hôte,
veut partager une fierté. Fierté en son pays, dans ses personnes, dans ses citoyens. Elle veut partager ce qu'il y a de mieux de leur pays. C'est une chance pour démontrer quelque chose d'exceptionnel par rapport à leur propre pays. Et pour moi, quand je pense aux endroits qui ont marqué et mon enfance, mais aussi ma vie plus récente, ça fait plusieurs fois que je viens ici avec Sophie et mes enfants en vacances, rencontrer les gens, découvrir de façon plus approfondie cette magnifique région. C'est sûr que ça a été dans mes premières réflexions de où on pourra tenir ce G7. Et ma décision finale a été basée sur l'accueil que je savais qu'on allait pouvoir recevoir et surtout ce qu'on allait pouvoir mettre ensemble comme G7, comme sommet réussi. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Lorsqu'on regarde les thèmes, il y en a un qui vous semble cher, l'égalité des sexes et l'autonomie des femmes. Mm-hmm. Votre gouvernement a laissé beaucoup de place aux femmes. Il y a la parité, aussi, je pense, le modèle canadien avec les garderies pas trop chères. C'est un modèle qui est intéressant à partager. Mais qu'est-ce que ça donne que vous en parliez avec M. Macron, M. Trump? Qu'est-ce que ça peut changer pour l'égalité des sexes? La promotion des femmes dans le monde. Bien, d'abord, merci pour la question. C'est un enjeu, évidemment, qui me tient énormément à cœur. Il faut d'abord commencer par comprendre que dans chaque G7, le président du G7 peut choisir des thèmes qui sont particuliers. Évidemment, on parle toujours d'économie, on parle toujours un peu de sécurité, mais y a-t-il d'autres enjeux? Par exemple, l'année passée en Italie, par leur positionnement en Sicile, ils voulaient vraiment parler des migrations venues d'Afrique vers l'Europe. Alors, c'était un des thèmes sur lesquels on a passé un peu plus de temps en discussion. C'est sûr que nous aussi, on a choisi des thèmes. On a choisi de se concentrer un petit peu sur les océans et les changements climatiques et l'environnement comme thème précis. Mais on a aussi effectivement choisi la parité homme-femme et l'investissement dans la réussite des femmes et des filles à travers le monde comme priorité. Mais au lieu de faire une priorité précise sur laquelle on allait passer une session, on a décidé d'en faire une priorité horizontale. C'est-à-dire, on a mis sur pied un conseil consultatif de femmes et un homme d'à travers le monde extrêmement experts et expertes dans ce domaine-là pour faire des recommandations et pour être présents dans chaque rencontre et chaque discussion qui aurait lien avec le G7. Alors, sur chaque sujet qu'on va aborder, on va intégrer cette question de la réussite des femmes. Chaque rencontre ministérielle, que ce soit sur les emplois de l'avenir, que ce soit sur la santé, que ce soit sur toutes sortes de différentes choses, on introduit de façon explicite un courant, une lentille par rapport aux femmes et aux intersectionnalités. Donc, c'est une façon de s'assurer que ce qu'on est en train de faire, c'est pas juste de parler des femmes parce que c'est une bonne chose à faire, parce que c'est moral ou éthique de se pencher un peu plus sur la parité et l'égalité, mais que c'est un argument profondément économique aussi, que c'est la chose intelligente à faire, pas juste la bonne chose à faire, que d'inclure plus de réussite pour les femmes, d'inclure les femmes dans les discussions que nous avons et de penser directement à l'impact que nos décisions, nos solutions pourraient avoir sur les femmes et les filles à travers le monde. C'est une façon justement de créer de meilleures solutions, que ce soit en termes d'économie, en sécurité, en stabilité, en prospérité. On sait que d'inclure les femmes, c'est important. Je vais rester dans le dossier Trump, M. Trudeau, parce que hier, il a fait quand même des menaces là, concernant les pénalités pour les automobiles qui rentreraient aux États-Unis. Pensez-vous que c'est vraiment des menaces, des vraies attaques, ou c'est plus une stratégie, une tactique de négociation? Bien, on sait que tout est lié aux négociations en cours par rapport à l'ALENA. C'est sûr qu'on ne prend rien à la légère, mais c'est certain que d'essayer de comprendre quel serait le lien entre la sécurité nationale des États-Unis et des autos qui pourraient être faits en Ontario,
ça commence à être de moins en moins pertinent ou justifié de façon logique, dans une certaine rigueur intellectuelle. Donc, on va continuer de pousser pour la signature d'un accord modernisé par rapport à l'ALENA. On continue de travailler très fort. On a un bon momentum, mais comme on le sait, ce ne sera pas réglé avant que ce soit réglé de façon finale. On va exprimer notre inquiétude, pas seulement qu'une telle mesure de tarifs sur les autos pourrait faire du mal aux États-Unis, pas au Canada, mais ça pourrait faire du mal aux États-Unis aussi. On sait que si des pièces d'automobile peuvent traverser 6 fois la frontière canado-américaine avant de finir dans une voiture finalement assemblée, on ne peut pas imaginer que d'amener des tarifs sur les pièces ou les voitures qui arrivent du Canada aux États-Unis n'aurait pas un impact extrêmement néfaste sur la compétitivité de l'industrie automobile américaine. Donc, on va continuer d'être très, très ferme dans notre défense des intérêts des Canadiens, des travailleurs canadiens, tout en soulignant que de s'attaquer au Canada, ça va finir par faire mal aux États-Unis aussi. Il n'y a personne qui veut ça. On va continuer de travailler ensemble. Et dans ce même sens-là, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Parce qu'il a dit le Mexique, le Canada était beaucoup trop gâté, finalement. On sait que c'est des négociations. Les gens disent certaines choses. Nous, on va continuer de rester sérieux et engagés dans notre approche. Pour moi, on continue de chercher à être constructif. Mais effectivement, je n'ai jamais caché de personne, et surtout pas du président Trump, que je suis là pour défendre les intérêts des Canadiens et que c'est pas vrai que je vais accepter un mauvais deal pour le Canada juste pour avoir un deal avec les États-Unis. Tu sais, oui, mon prédécesseur en tant que premier ministre et de mes adversaires conservateurs veulent dire « Oh non, il faut accepter n'importe quel accord ». Non, on va pas accepter un accord qui serait mauvais pour le Canada, mais parce qu'on sait que c'est tout à fait possible d'avoir un accord gagnant-gagnant pour le Canada, les États-Unis et le Mexique, on va continuer à travailler là-dessus. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Vrai plaisir de vous voir. On se revoit dans 2 semaines. Merci. Merci. Merci.